Et y'a tout le monde, c'est Delta Draco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo j'ai retiré le son parce que je suis pas encore sûr qu'il y ait des droits d'auteur sur les musiques, donc pour l'instant on va pas faire le con. Donc là on en était à tonne de cartes dans le stream. Oui. Ah merde, j'ai repliqué. On en était à j'ai perdu mon duel contre Nico, si j'ai pas Nord-Ouest, pardon. Donc je sais plus trop ce que je dois faire. Et bah, il y avait quelque chose. Les decks de vocation sont bien parce qu'il peut essayer des stats des nouvelles combinaisons. Ouais, mais du coup. Alors, passons au prochain match. Oui, non. Ah, oui. Bonne chance pour le deuxième match. Bon. Place au duel suivant. Draco versus Nico. Ah. Vas-y doucement. Nico est la grande sœur de West. C'est la plus gentille des sœurs. Mais qu'en est-il dans le duel? Et la surprise du tournoi, Draco, voyons voir ce que ce match nous réserve. C'est à jouer, choisissez un deck et en duel. Bon. La dernière fois, c'était mal passé avec celui-là, donc on va prendre. Seigneur Lumière, c'est chaud. Oh, j'adore, maître dimensionnel. Pas trop bien. Sabrux en avant. Oh, avec le... Avec le... Comment il s'appelle? Ah! J'ai oublié son nom. Putain, je l'ai vu hier en plus. Ah bah il est directement dans ma main. Génial. C'est gardien et Athos. Si vous voulez invoquer un monstre dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une carte magie d'équipement cimetière pour s'éclairer, retirer jusqu'à 3 cartes. Ah bien, ça sur point d'attaque pour chaque carte retirée par cet effet jusqu'à la end phase. Pouah, 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 pouah. Et hop, premier tour, gardien et Athos. Carte, combat un monstre, votre adversaire pioche une carte à la fin de la dame achetée. Votre adversaire pioche une carte, hein. C'est pas dingue ça. Bla 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 bla. Bah écoute, hop, on va commencer par ça. Ça c'est quoi? Si vous pouvez invoquer spécialement un Helios, le soleil primordial. Bon, je vais quand même mettre la musique. Bon, Helios, ouais, je l'ai pas pour l'instant. Hop. Paye 1000 life points, les effets. Ouais, hop. Hey. C'est gardien Athos, c'est vraiment la carte. Faire une chaîne, bon. Ah, ouais, il a vraiment choisi le monstre le plus fort. Elle, apparemment, c'est une femme. Alors. Un petit peu plus vite, ce serait bien. Activez l'effet de la carte. Faire invoquer spécialement un Helios depuis votre main ou deck. Tant que cette carte est sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont retirées du jeu à la place. Ouais. Bon. What? Ça, je comprends pas. Faut invoquer spécialement un Helios de ses premiers depuis la main ou votre deck. Bah ouais, et Helios du coup, il est où? Carte peut être déclarée une attaque sauf si vous envoyez une carte que vous contrôlez à la main. Wesh! C'est mort? Sans faire de sacrifice, oui. Bah, du coup, leur 1900 HP. En soi, n'est pas dingue. Il devrait pas avoir une grosse défense. Activez l'effet de la carte. Non. Oh non. Sur le combat, cette carte de position de défense, c'est 1000 points de dommage dans chacune de vos stand-by phases de votre adversaire. Toi, je vais t'éclater, t'es mort. Hop. Bon. Ah. Bah, je sais quelle carte tu vas détruire. Et ça annule pas l'effet de ma carte normalement.
Mais c'est pas censé annuler l'effet de la carte. Non, parce que bon, en vrai, c'est un peu chiant là. Le duel, il va durer des plombes. Fais votre cimetière à votre main. Ouais. Sabre XX. Ah bah, hé. Allez, hop, ça dégage. Les cartes sont retirées du jeu, génial. Comme ça, elle peut pas les faire revenir. C'est que ça va durer longtemps. Hein. Attends. Une carte magie d'équipe. Ok. Gardien et à tous. Hop. Éclate lui ses points de vie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, c'est méchant ça. Je viens de me faire éclater. Littéralement. Une vieille force miroir. Une force miroir. Le truc le plus basique dans un deck. Pourquoi? Quand même pas l'intention de m'attaquer là. Qu'est-ce que tu branles? Ok. Bon bah c'est chiant hein. Me fait éclater par tous les decks, par tous les adversaires. Les decks de structure c'est chiant. Attends, what? C'est si j'attaque, non? Génial. Ah, ça c'est pas mal. Allez, s'il te plaît. Non. Non. Tu fais quoi ça? Et retirer du jeu, cette carte est invoquée spécialement sur le terrain de propriétaire à la end phase. Je vais prendre lui, ça me servira de défense hein, si je peux. Voilà, bah pour l'instant on va jouer sur la défensive. C'est rien. Sérieux. Non mais pour de vrai. C'est chiant. Ah, je me fais éclater par les PNJ les plus éclatés du jeu. Ouais, j'ai plus rien pour me défendre, c'est génial. Avec ça, je me sens safe. Bon, bah c'est pas grave. Hein. On va encore une fois perdre un duel. C'est rien. Que c'est pas comme si juste il me met un coup encore et je suis mort. Pire duel hein. L'épisode le premier épisode je les ai éclatés, là j'utilise des decks de merde, je les fais éclater. J'aime bien la musique hein. J'espère qu'elle est pas copyright. Vous pouvez sacrifier cette carte pour détruire un monstre sur le terrain. Ah oui, on va activer l'effet. Bien sûr que je vais activer l'effet. Ça me laisse un peu de répit. Ouais, bah oui. On va bien. Pioche toutes les bonnes cartes, hein. Moi je pioche vraiment les pires cartes du deck. Hein.
assez simple. Il invoque un monstre avec 1000 d'attaque, je suis mort. Là, mon but, c'est juste de détruire ces gros monstres, hop, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas spécialement de gros monstres normaux. Alors, tu vois, il va m'invoquer un monstre avec pile poil 1000 d'attaque. Eh ben, fils de pute. Voilà, j'ai encore une fois perdu. C'est génial, je fais que perdre les duels. En plus, pour le coup, c'est même pas ma faute. C'est juste que, bon, bah, ils prennent les decks les plus fumés, quoi. Ah, ils ont les combos les plus fumés, pardon. C'est même pas leur, l'histoire de leur deck. Non, je ne sauvegarderai pas le replay. J'ai gagné, ouais. Ta mère. Waouh. Bah, en tout cas, c'est le meilleur tournoi de ma vie, hein. Bah, oui, hein. Je vais avoir la meilleure récompense de ma vie. Narumi, c'est qui? Oh! Wow! Ok. J'ai une risque de me faire crier de Super Narumi. Ok, bon. Mais Cabot, il me semble que c'est super pété, ça. Ça pue la merde, hein. Fou, j'ai fini seconde avant. C'est pas facile, hein. Bon. Alors, j'ai déjà un monstre niveau 8. Question, puis-je l'invoquer? Si cette carte attaque votre adversaire, blablabla. Ouh, j'en sais. Ok. C'est que c'est une carte monte dans votre cimetière, vous voyez, piocher deux cartes. Ok. Envoyez un monstre face recto que vous contrôlez dans la main pour l'activer, invoquez spécialement cette carte puis votre main. Si le monstre renvoyé dans votre main était un monstre vent, cette carte gagne 5 points d'attaque. Carte invoquée spécialement. Lorsque cette carte est invoquée dans un monstre spécialement, vous pouvez sélectionner un monstre de type machine depuis votre deck ou cimetière une fois par tour. Vous pouvez renvoyer deux monstres de terre, machine de niveau 4, puis votre cimetière, puis une carte. Y a pas un monstre que je peux envoyer au cimetière juste histoire de ça c'est un peu normalement blablabla non ça peut pas être un peu cimetière. Vous pouvez défausser une ou plusieurs cartes spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Allez hop. Attends. Un appel de lettre hantée, c'est pas mal. Ben voilà, forteresse Mechabot. Ce combat au cimetière, c'est que ce serait un monstre, une carte contre par l'adversaire. Cette carte passe recto, elle est ciblée par l'effet d'un monstre à effet. Adversaire, regardez la main de votre adversaire, de faire une carte de 5. Bon, en vrai, c'est pas mal. C'est bien fumé comme il faut. Renaissance du monstre. Tu vas vraiment faire ça, là? Ouais, sauf que ben, c'est mon monstre, en fait. Donc c'est mort. À moi. Nique-toi. Ah mais oh, oh. Déjà tu joues une carte interdite, hein. Voilà, ça se fait pas. Conseil, joue sur la défensive. C'est bien. De toute façon t'es mort. C'est bon, hein. Et je peux me faire éclater à chaque match, moi. Pas ça. Dans cette carte, le terrain est détruit dans la... durant votre main phase. Vous pouvez équiper cette carte à un monstre de type machine que vous contrôlez. Il invoqué spécialement un monstre ne peut être invoqué que par. Utilisez cette carte à la place. Nani? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Hop.
Oui. Alors, la carte a envoyé au cimetière. Une petite question. Puis votre main au cimetière. Attends, attends. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Hop, on va défausser celle-là, c'est pas grave. Enfin, une petite invocation synchro. C'est quoi ça? Défausser un nombre de cartes de votre choix au cimetière, puis envoyer un monstre avec le nombre de cartes sur le terrain de votre salle. Vas-y, juste, ben, je vais gagner. Hop. Attends, j'active l'effet juste après, je vous dis ça. Certes, attaque. Vas-y. Activer ce carton, j'ai plus. Si vous me faites l'invocation, bah ouais. Ah non, non, juste arrête de me casser les couilles, trou noir. Pourquoi j'éclaterai mon monstre? Oh, à 200 points de vie près. Oh, mais le deck mécabot, il faut fumer aussi. Ah voilà. 200 points de vie. Je suis en train de me manger. C'est que ça. Qu'est-ce que tu fous? Ah ouais, t'as vraiment craqué. Ouais, écoute. Arrête de me proposer ça. Et ce jeu là, con. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Nani? C'est méchant. Et j'aurais peut-être pas dû faire une end phase, moi. Ça va? Non mais c'est bon, c'est fini. Allez hop, elle va me mettre un retournement de situation. Évidemment. Bon. Comment dire? C'est compliqué. Il vient pas d'annuler quand même d'annuler mon. C'est pas une carte de niveau 10 évidemment.
Hop, et ben c'est pas grave. J'ai bien trouvé le moyen de lui faire du 200 de dégâts. Faut juste que je pioche la carte. Parce que dans ce deck, j'ai l'impression que faire du 200 de dégâts, ça va être une épreuve. 1100. Il me faut une carte à 1300, sa mère. De carte à 1300. Bon, bien sûr, bof, tout à fait. Hop, ça, ça va dégager immédiatement au cimetière. Au cimetière. Allô? Le jeu? Oh, mais vas-y. Allez, ça dégage. Boum. Par contre, ça n'est pas les fous. Ouais, mais du coup, je fais comment, moi? Je peux pas le réinvoquer. Putain, faut que je pioche la carte de niveau 8. Non, mais vas-y, je suis en train de gagner. Yes. Yes. Putain, j'ai gagné juste par un coup de chat. Est-ce qu'on peut sacrifier ce propre monstre? Oh mon dieu, ce coup de chat. Ah bah voilà, enfin j'ai gagné un duel. Ça veut dire si je perds les trois contre des bots, ça me ferait chier quoi. Ah, tu as gagné, félicitations. Si les résultats finaux, malheureusement il n'y a pas eu de vainqueur. Voici la lutte de consolation pour la participation. Il n'y a pas eu de vainqueur. Voici. J'ai gagné. Cérébral le mythologique. Ouais. Ouais, waouh. Ouais. Personne n'a remporté tous ces matchs. Et je m'étais tellement entraîné pour ce tour. Voilà, j'ai être meilleur dueliste. Je vais retourner au repère pour m'entraîner. Bah vas-y, vas-y, taille. Oh, où est-ce qu'il ne sait pas encore que papa rentrera bientôt. Klaus aussi devrait être venu, je devrais aller chercher West. Ouais, si tu veux. Moi je vais juste aller voir s'il n'y a pas des petites boîtes qui traînent par-ci par-là avant qu'on se laisse. C'est quoi ça? Le magasin a l'air fermé. Très bien. C'est dangereux en dehors de la ville, tu ne devrais pas t'y aventurer. Oui, bon bah d'accord. J'ai bien compris. S'il vous plaît, je peux avoir une petite caisse ou un truc comme ça pour avoir des points ou. Non? Pas le droit, c'est pas pour moi. Le magasin à la ferme, ouais, ils sont tous à la retraite ici ou bon. Il y a un endroit où je peux aller voir. Pichouge, et je sais qu'on pourra la battre. Laissons Barbara tranquille. Et allons voir tout en bas. S'il n'y aurait pas quelque chose qui traîne. Non, je voulais pas. Hey, tu es d'ici, tu sais où se trouve le magasin de cartes? Je suis inscrit au duel de questions, c'est pour ça que je suis en ville. Ah bah. Tu as participé à ma place, oui. On va faire un duel, on va voir qui aurait dû participer au tournoi. Non, pas tout de suite.
je sais quitter, hein, mais pas pour l'instant. J'avoue que je cherche un peu. Ah, bon. Ah, tiens, quelque chose. Quelque chose sur le sol. Gizixa. Un jeton étoile. Je sais plus à quoi ils servent. Bon. Nous, on verra la prochaine fois. On va faire une petite sauvegarde. Hop. Tac. Donc sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.